Bonjour à tous les élèves de 5e. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que deviennent les nutriments en présence de dioxygène dans nos organes. Tout d'abord, les nutriments et le dioxygène sont présents dans les capillaires sanguins, qui sont des petits vaisseaux sanguins que l'on trouve au niveau des organes. Les organes prélèvent les nutriments et le dioxygène. Il se produit alors une réaction chimique. Cette réaction va permettre de produire de l'énergie qui va être utilisable pour le fonctionnement de l'organe. Une partie de cette énergie est transférée, donc rejetée sous forme de chaleur. Cette réaction produit un déchet, le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone va partir au niveau des capillaires sanguins. C'est maintenant à toi de jouer. Tu peux répondre au questionnaire disponible sur le site du collège Unico Lursa. Bon courage! Created using Powtoon.